à tout le monde, bonsoir, euh, très ravi d'être parmi vous ce soir à cet événement euh, virtuel Algeria 2.0. Euh, D'ailleurs, je salue cette excellente initiative que, malgré euh, le contexte de la pandémie, euh, ça a permis de créer un, un espace de partage et d'échange entre euh, professionnels euh, passionnés du web, du digital ou euh, à donc pour ce soir, j'ai choisi de vous parler de la cybersécurité, plus particulièrement pour les petites organisations telles que start-up et PME. Laisse ce choix. Ben d'abord, il y a un phénomène mondial autour de la cybersécurité, une effervescence longuement délaissée, négligée, et que là tout le monde veut rattraper le retard. Et de deux, ben j'ai constaté, comme tout le monde, euh, j'ai un sentiment qu'il y a une mouvance, un, un mouvement de d'entrepreneuriat et de start-up en Algérie. Donc, à travers cette courte présentation, je voulais un petit peu donner les grandes lignes à ces entrepreneurs pour leur permettre d'intégrer la planification cybersécurité dans leurs projets. Et par la même occasion aussi, je voulais donner une vision plus claire, vulgariser un petit peu la cybersécurité, un domaine qui reste un peu sombre pour, pour certains et aussi susciter l'intérêt à la cybersécurité euh, en général. D'ailleurs, on va essayer de comprendre euh, l'interprétation de la cybersécurité de nos jours. Euh, il y a quelques années, euh, c'était plutôt euh, un domaine réservé aux informaticiens. Et puis, euh, les clichés qu'on avait euh, pour... Euh, les, les spécialistes en cybersécurité étaient euh, grosso modo la gestion des firewalls, des antivirus et des réseaux. D'ailleurs, à cette époque-là, on parlait euh, la sécurité des réseaux. Ensuite, le terme a évolué et on parle maintenant de la sécurité de l'information parce qu'il y a eu quand même une évolution des systèmes d'information, les ERP, les CRM, le Web 2.0, euh, le commerce électronique, l'utilisation de la messagerie euh, instantanée ou la, la messagerie classique. Donc tout ça a fait en sorte euh, qu'il y a eu euh, une innovation en termes de cryptographie. Pour crypter les données stockées ou la transmises. Et surtout, il y a eu euh, la mise en place de cadres et de frameworks de, tels que COBIT, NIST euh, pour régir un petit peu l'utilisation de ces systèmes-là. Mais le comportement de la société a changé. Euh, nous sommes devenus euh, très dépendants de la technologie, mais surtout, on est devenu euh, très connecté. Même les machines le sont. Et maintenant, quand on parle de cybercriminalité, le cyberharcèlement, euh, l'espionnage et vol d'informations, euh, les cyberguerres, les hacktivismes, donc tous ces éléments maintenant font partie de la cybersécurité. Le spectre de la définition de la cybersécurité est beaucoup plus large que dans le passé. Mais surtout, on est sorti du cadre technique où c'est plus euh, au début, c'était un travail d'informaticien. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Et plus concrètement, euh, cela veut dire quoi pour les entreprises? Euh, je peux citer un exemple classique, courant et simple. Une personne, un employé qui utilise euh, sa messagerie professionnelle, qui la consulte sur son smartphone personnel. Maintenant, il expose euh, son entreprise à des risques et à des menaces un risque classique ou une le unmanaged devices car l'entreprise n'a pas le contrôle total de son smartphone et l'entreprise doit développer son mindset changer de mentalité pour s'adapter à n'importe quelle forme euh, de menace. Euh, C'est-à-dire construire une culture cybersécurité euh, dans l'entreprise. Et puis, euh, parmi les défis aussi, on a euh, le facteur humain, euh, sachant que 95% euh, des problèmes liés à la sécurité derrière, il y a euh, le facteur humain. Et quand on parle des facteurs, on a les menaces internes et les menaces externes. Bon, pour, les, pour les menaces externes, c'est classique, la menace vient de l'extérieur. Par contre, elle va exploiter le maillon faible dans la chaîne qui est l'être humain. Euh, comment contrer ça Sensibilisation, euh, formation. Pour les menaces internes qui sont beaucoup plus compliquées et difficiles à détecter et à traiter, là on parle d'erreurs de accidentelles, euh, une erreur de configuration, euh, une négligence ou là tout simplement un cas de fraude interne. Euh, plusieurs entreprises ne savent même pas qu'elles sont victimes de fraudes internes parce que derrière, elles n'ont pas les contrôles et les mécanismes qui leur permettent de les détecter. Et sinon aussi, euh, Adna, euh, le télétravail. La pandémie euh, a fait en sorte d'accélérer ce phénomène, ce nouveau, fou, euh, ce nouveau mode de travail. Enfin, ce n'est pas nouveau, mais euh, certaines entreprises étaient préparées, euh, d'autres moins. Euh, ça a ses avantages, euh, mais les entreprises qui n'ont plus le contrôle de la sécurité physique, elles doivent s'adapter à ce nouveau phénomène. a aussi la conformité. Durant des années, la loi de la jungle. Les entreprises et les start-up euh, euh, se permettaient tout. Il y beau les données qui m'aiment. Bon, ce plus le cas. Les, les gouvernements ont mis en place des lois et des restrictions euh, pour l'utilisation, la collecte des informations, euh, surtout la, le respect de la vie privée. Donc, euh, et ce, il y a certaines industries qui ont renforcé euh, leurs euh, leur critères euh, pour les normes et standards. Donc, euh, ça, c'est un facteur à prendre en considération pour les entreprises. Et comment on règle cette machine géétique ben, Il faudrait penser à une bonne gouvernance. Cela veut dire quoi au juste On peut la comparer euh, comme de la gestion de projets orientés sécurité, c'est-à-dire avoir une vue globale de la stratégie de l'entreprise, euh, comprendre les besoins réels en matière de sécurité et, et de la gestion des risques, et surtout avoir un contrôle euh, sur les dépenses et les finances. Ça permet donc de mettre en place une politique et des procédures euh, pour euh, contrôler tout ça. Euh, ça permet aussi de se protéger sur le plan euh, légal et juridique. Car en fait, la cybersécurité, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire oui, on protège l'entreprise des menaces externes, mais il faut qu'on s'assure aussi de ne pas causer des torts ou la des menaces aux autres qui vont se répercuter euh, par des poursuites judiciaires ou la, tout simplement altérer l'image de l'entreprise. On va voir ici un cas simple d'une bonne gouvernance. Ici, on a les cinq phases du, du développement d'un produit. Donc, surtout pour euh, les startups qui vont développer leurs produits, euh, à ne pas confondre avec les méthodes de développement agile, waterfall, spirale ou autre. C'est le cas classique euh, analyse des besoins, conception, développement, blablabla. Donc, si on, on fait l'analyse ri des risques et on détecte une faille, si on la corrige à l'étape initiale, elle va coûter beaucoup moins cher en temps et en argent, que de laisser et la corriger la phase production. Sinon, ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, euh, mais euh, je voulais juste faire un check-up. Ça, ça s'appelle le SSDLC, le Secure Development Lifecycle. Euh, C'est un processus qui va nous éviter tout ça. Et toutes ces étapes sont très importantes. J'ai mis le lien ici pour avoir plus d'informations. Sinon, ici, sur ce tableau, j'ai essayé de mettre les caractéristiques des startups et PME par rapport aux grandes entreprises. Parmi les avantages, déjà, on a bien évidemment la taille. Ça leur donne plus d'agilité, flexibilité. La prise de décision se fait euh, rapidement, sans lourdeur administrative. Euh, un petit meeting, tac, tac, go, no go. C'est pas le cas pour les grandes entreprises. Et quand on est en face de problèmes de sécurité, c'est un avantage. Pour les startups aussi, euh, on est en phase de développement, prototype ou pré-prod. Ça leur donne plus de souplesse, moins de stress, euh, plus de tolérance au downtime. Le legacy, c'est un avantage aussi. Pour les, euh, les startups, on démarre de zéro, c'est-à-dire on n'a pas avec l'héritage de vieux systèmes ou de vieilles solutions qui vont nous empêcher euh, à progresser. On a ce luxe de choisir euh, des solutions euh, basées sur nos besoins en sécurité. Et sinon, pour les lacunes, euh, un, pro un problème, le manque de ressources spécialisées, c'est difficile de trouver des personnes euh, expertes. Pour les startups, le modèle d'affaires est basé sur des levées de fonds, et ça, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que vu que les, les équipes sont réduites, le cas du multitasking, plusieurs personnes portent plusieurs casquettes. C'est-à-dire, l'homme, le CEO va faire du développement, ben, demain, le sysadmin va faire de, de la comptabilité. Et en matière de sécurité, ça pose problème parce qu'on ne sait plus qui est responsable de quoi, mais surtout qui sera responsable de faire quoi. Le deuxième problème, c'est que les investisseurs ne sont pas motivés euh, à approuver des dépenses de sécurité. Et ce qui est un peu normal, parce que quand on sait que neuf startups sur dix, peut-être, elles ne vont pas voir le jour, euh, on, a, on est en face à un futur incertain. Euh, pour les investisseurs, les dépenses en sécurité, ce n'est pas urgent. Le kizid ne se moubouzit. Par contre, ça pourrait poser problème par la suite, en cas de succès de la startup et de croissance. On a vu le cas euh, récemment avec la start-up Zoom. Leurs problèmes en sécurité ont failli nuire gravement à l'image de l'entreprise. Donc, parmi les éléments à prendre en considération en cas de croissance, ben, le recrutement massif, on a l'augmentation des actifs à protéger, plus de volume de données, plus d'infrastructures, mais surtout euh, plus de partenaires. Donc, l'entreprise grandit, on va signer des conventions, des contrats avec des fournisseurs, des partenaires, et il faudra faire très attention au protocole d'échange et la protection des informations on a pour la gouvernance c'est important de trouver un équilibre entre les objectifs et les priorités et c'est pas parce qu'il y a des dépenses moins utiles c'est juste qu'il y a des dépenses plus prioritaires plus critiques pour l'avancée de notre projet. Tout dépend du budget Et puis, euh, que, il faut la que la sécurité coûte cher, oui, mais ça pourrait coûter deux, trois fois, voire même plus cher euh, face à un incident inattendu qui n'a pas été euh, pris en charge euh, euh, par la gouvernance diana qui me le... que et puis, pour éviter ça, donc, on doit commencer d'abord par euh, rédiger notre politique, notre planification. On va commencer par un document brouillon où vous allez mettre juste les grandes lignes. De toute façon, le document, euh, c'est un document évolutif. Euh, il va vous suivre durant l'avancée, tel projet Tercom, il va devenir votre politique. Vous allez lister vos objectifs à court et à long terme. Mais surtout, vous devez classifier et catégoriser les actifs de Wacom, c'est-à-dire les éléments qui ont de la valeur pour vous. Ça peut être immatériel ou matériel. À titre d'exemple, un élément clé dans votre équipe, vous devez penser comment protéger votre business. Et par la même occasion, euh, utiliser un langage simple pour la cybersécurité pour qu'il soit compris par tout le monde. Pour le outsourcing, la sous-traitance, euh, c'est un avantage. Euh, au lieu de recruter un ciseau et euh, son équipe et tout le SOC, euh, vous allez sous-traiter euh, la partie. Consulting et la partie euh, opérationnelle. Il y a des MSSP qui font ça. Euh, sinon, il y a des consultants indépendants aussi pour faire les pen -tests, les code review ou, ou les vulnérabilités euh, scans. Aussi, euh, optez pour les solutions euh, dans le cloud, que ce soit pour le partage de fichiers, les outils de comptabilité ou la gestion de projets. Euh, C'est des environnements sécuritaires et puis ça vous permet de vous focaliser euh, principalement sur votre business. Ma présentation s'ajève Naya. Euh, je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez des commentaires ou des suggestions euh, sur cette présentation, ou si vous avez besoin de conseils, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, je vous souhaite une bonne continuation euh, pour l'événement et euh, à tout à l'heure.